Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Et oui, encore moi, encore avec mes mises à jour sur notre Google Home, avec deux nouvelles applications qui viennent d'apparaître. Donc, comme d'habitude, je vous en fais profiter. Ces nouvelles applications, une qui est vraiment très bien, qui est très connue et qui va pouvoir nous donner le programme de la TNT. Elle vient tout juste d'apparaître aujourd'hui et elle est fonctionnelle. On va tout de suite passer donc à cette application. On va demander à notre Google Home de parler avec Téléstar. Très bien, je vous mets en relation avec Téléstar. Bonjour, je peux vous donner le programme du soir d'une chaîne de votre bouquet. De quelle chaîne souhaitez-vous connaître le programme? Programme de la TNT. Ce soir, il y a sur TF1, série sentimentale, Grey's Anatomy, sur France 2. Série dramatique Ben, sur France 3, magazine de société Des Racines et des Ailes, sur Canal Plus, drame Cessez-le-feu. Programme sur Arte. Ce soir, sur Arte, il y a un drame police. Voulez-vous savoir autre chose? Suivant sur M6. Ce soir, sur M6, il y a une télé-réalité Top Chef. Voulez-vous savoir autre chose? Non, merci. D'accord, à bientôt. Voilà donc l'application Téléstar qui va vous donner donc le programme de la TNT en temps réel de tous les programmes de la TNT. Vous allez pouvoir soit demander par programme ou directement lui demander le programme complet de la TNT. Vraiment pas mal, ça contribue aux différentes applications déjà existantes comme parler avec le programme TV, parler avec Instant TV, etc. Pour la deuxième application, donc, nous avons parlé d'une application très connue, là aussi par rapport à Téléstar, ça va être l'application Numérama. Numérama est une application, est un site internet que vous pouvez trouver où vous allez trouver des podcasts en tout genre sur le milieu numérique, sur toutes les nouvelles technologies. Et là, grâce à cette application, on va pouvoir avoir en fait les grands titres de Numérama pour aller ensuite s'y référer par la suite. Pour l'instant, apparemment, l'application ne délivre pas les podcasts. J'ai pas du tout encore trouvé le mot-clé pour ceci. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais l'application existe. On va tout de suite donc demander à notre Google Home de parler avec Numérama. Très bien, je vous mets en relation avec Numérama. Bienvenue sur le chatbot de Numérama. News. Voici les 5 derniers articles. Gmail va connaître une grosse mise à jour. Les 5 points à retenir. Test de God of War. La PS4 tient son chef d'œuvre. Mark Zuckerberg devant le Congrès américain. Route 2. Ce que l'on a appris de nouveau. La chute de la station chinoise Tianwen 1 est mystérieuse, juge l'agence spatiale française. Apple s'empare de la série basée sur Fondation, l'œuvre d'Isaac Asimov. Voilà, donc on a les grands titres, on peut après se référer et plus tard on aura même les podcasts. On peut là aussi, comme je vous ai déjà fait dans une vidéo, créer des raccourcis clavier, on va dire, mais des raccourcis. Ici par exemple, si je lui dis numérique. Ok, je vous mets en contact avec Numérama. Bienvenue sur le chatbot de Numérama. News Apple. What is the subject? Apple. iPhone. Voici une suggestion d'article basée sur votre recherche. Mark Zuckerberg devant le Congrès américain. Round 2. Ce que l'on a appris de nouveau. Apple s'empare de la série basée sur Fondation, l'œuvre d'Isaac Asimov. Apple condamné à payer un demi-milliard de dollars pour une violation de brevet à la légalité douteuse. Pour ses 20 ans, la Focus veut être la meilleure voiture conçue par Ford. iPhone 8 et 8 Plus, la version rouge est arrivée. Voilà, donc comme vous avez pu entendre, on peut vraiment avoir les grands titres sur le monde numérique. C'est plutôt pas trop mal. Et comme d'habitude, je vous ai partagé ces deux petites applications sur notre Google Home. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne. On attend toujours cette mise à jour avec la lecture de nos emails. Donc
ne vous inquiétez pas, dès que cette mise à jour sera mise en place, je vous la partage. Merci à vous et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous !